Effectivement, sur le plan d'investissement d'Algérie Télécom de l'année 2016, qui est en phase d'étude au niveau d'Algérie Télécom, il sera question de la deuxième phase de réduction des prix. Mais toujours est-il, sous réserve, bien sûr, que les investissements qu'elle s'est engagée à faire, notamment l'assainissement du réseau, mais son déploiement également là où il n'est toujours pas arrivé, reste possible. Il ne faudrait pas que la balance commerciale d'Algérie Télécom soit touchée pour rester viable et pouvoir encore et encore continuer à baisser ses prix sur un calendrier qui adapté à sa réalité. Alors maintenant, quand on parle d'Algérie Télécom et de l'ouverture au secteur privé, De la téléphonie fixe. Oui, ouvrir le capital d'Algérie Télécom n'a jamais été à l'ordre du jour. Est-ce qu'il le sera un jour? Ça, je ne le sais pas. Au jour d'aujourd'hui, ce que je peux assurer, c'est que ce n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que un investisseur étranger pourrait investir? Vous savez que la loi sur l'investissement le permet dans certaines conditions de souveraineté algérienne qui sont établies de par la loi. Est-ce Quand qu'il il est s'agit de certain? créer des ISP, c'est-à-dire des fournisseurs d'accès à l'Internet ou des entreprises qui voudraient développer un service ou un autre, que l'investissement soit algérien ou étranger, il n'y a absolument aucun problème par rapport à ça, sauf qu'il faut se conformer à la loi sur l'investissement. Alors, pour régler la question du blackout, qui peut subvenir à tout moment et n'importe où en cas de rupture de câble de connexion, il y a deux types de solutions qui sont nécessaires, toutes les deux. Le premier, c'est qu'il faut multiplier les accès, et c'est ce qu'on est en train de faire. D'ailleurs, ce n'est pas après la rupture du câble, ça fait des mois qu'on travaille sur comment régler les dernières étapes administratives pour lancer effectivement le projet Oran-Valence, le câble qui va relier Oran à Valence, sur lequel Algérie Télécom va greffer un deuxième, qui est Alger-Valence, sur ses fonds propres, pour avoir deux câbles supplémentaires et donc augmenter la bande passante en temps normal et pallier au problème du blackout en cas d'incident qui peut arriver, comme cette fois, ou à cause d'un incident naturel, ou quel que soit X. Donc il faut multiplier les accès, ça c'est d'un côté, ça on y travaille, il y a de l'investissement, il y a 36 milliards quand même d'euros qui sont mis dessus, ça c'est l'investissement de réalisation, après il y aura les charges de maintenance, il y aura les charges d'exploitation, mais tout ça c'est rentabilisé parce que c'est de la bande passante supplémentaire pour l'Algérie. Mais d'un autre côté, il faut encourager le développement des services et du contenu en ligne en Algérie. Vous savez que les sites qui sont hébergés en Algérie restent accessibles même si le câble est coupé. Quand on a des services, quand le citoyen peut payer en ligne, il peut acheter en ligne, peut surfer sur des sites, que ce soit pour travailler ou pour se divertir, sur des sites hébergés en Algérie, là, une rupture de câble ou un problème, une détérioration de la connexion avec le reste du monde sera ressentie, mais à moindre effet. Pour poser la Alors, question il directement. faut séparer la censure des sites prohibés, c'est une chose. La protection des individus en ligne, c'en est une autre. La Le décret dans, la cybercriminalité. cybercriminalité, le décret Contre la dont vous venez de pédophilie parler, aussi. c'est un instrument de l'État pour protéger les citoyens, ce qui est normal. Il y aura pas de L'espace censure ou il y aura de censure? virtuel, il est public et l'État doit protéger les citoyens. Maintenant, parlant de la censure, chaque pays du monde, à commencer par les États-Unis, a sa propre réglementation pour la censure, ne serait-ce que pour protéger les citoyens d'une tranche d'âge bien définie, les enfants, les adolescents. Ça existe partout dans le monde. Aujourd'hui, en Algérie, il n'y a pas de dispositif qui permet de le faire en toute transparence, c'est-à-dire en censurant ce qui est prohibé, tout en maintenant un minimum de liberté d'expression et en la protégeant. Ce dispositif, il va falloir le mettre en place pour garantir de respecter les mœurs, de protéger les enfants, d'interdire les sites illicites, mais en même temps de ne pas permettre à qui que ce soit d'en abuser pour censurer la liberté d'expression.